Bah, le tragique à Colombey, un mort. Ouais. C'était marrant, quoi. Pas de quoi fouetter un chat. Les bonnes manières, ça n'a jamais été le genre de Harakiri. Depuis 10 ans, il se proclame bête et méchant. Mais cette fois-ci, les bien-pensants ont crié au sacrilège. Le ministre de l'Intérieur a invoqué la protection de la jeunesse. Il a interdit la vente aux mineurs et la publicité pour Harakiri. Pour un hebdomadaire qui tirait à 100 000 exemplaires, c'était une condamnation à mort. Le résultat fut étonnant. Journalistes, éditeurs, opposition, syndicats, tout le monde se découvrit solidaire de l'hebdomadaire iconoclaste. Même pour ceux qui ne l'avaient jamais lu, Harakiri devint soudain le symbole de la liberté d'expression muselée par la censure. On est nourri ici. On est nourri. On est pas logé. On est nourri, chauffé. Harakiri, c'est d'abord une équipe de dessinateurs. Volinsky, fanatique des bandes dessinées. Alors ça, je peux le garder. Ouais. Daniel ! Charlie, numéro ! Bernier, alias professeur Choron, il organise la vente. Moi, ce que j'attendrais, c'est que tu en aies pas mal. Reiser, le plus jeune et le plus méchant. Il faut en passer plusieurs pages pour qu'on comprenne bien. Je commence à surmonter, si tu veux, la gêne d'être en même temps dessinateur et l'acteur en chef. Maintenant, je n'ai rien à foutre. Tu vois, il y en a, c'est vraiment de la merde, trop con. Non, parce qu'il faut trouver un truc marrant, parce que le monde en parle. Alors, faut donc. Mercredi, jour de mise en page. Chacun apporte son texte ou son dessin. Ah oui, mais un article. Oh bah non, il faut faire un dessin. Lui, il a une idée de dessin, tiens, regarde. Ah bah oui, à partir de ce truc-là, il... Cavana, le patron d'Harakiri qu'il a fondé il y a 10 ans avec Bernier. Oh non, non, son plan est composé. Je suis vachement prétentieux, et Cavana avec moi aussi et toute l'équipe. On considère qu'il n'y aurait peut-être jamais eu de mai 68 en France si Harakiri n'avait pas existé en France. Parce que Harakiri a influencé, avant mai 68, c'est-à-dire Harakiri a influencé pendant 8 ans une jeunesse qui a fait mai 68. Voilà ce que nous pensons. Et nous avons trouvé sur les murs, en mai 68, des slogans Harakiri, et c'était vachement sympa, quoi. Bête et méchant, oui, parce qu'on revendique fièrement la bêtise et la méchanceté que tout le monde repousse. Personne, tout le monde se veut intelligent et bon, et tout le monde agit avec une connerie merveilleuse et une méchanceté infatigable. Alors, dans ce cas-là, autant revendiquer fièrement la bêtise et la méchanceté. J'attaque les gens qui me déplaisent, et à tour de rôle... Il y a des gens qui me déplaisent. Et puis comme je n'appartiens à aucun parti, à un mouvement, on peut dire que j'appartiens au mouvement gauchiste, si c'est vrai, je suis gauchiste. Mais je n'appartiens pas à un parti et j'ai une entière liberté. Encore si, est-ce qu'on peut dire que je suis gauchiste? Je n'en sais même plus rien, moi. Je ne sais même plus ce que je suis. Mais je sais que j'appartiens à un mouvement de pensée qui est important, qui est celui des hommes de cette époque et des hommes les plus intelligents, ceux que je respecte le plus, quoi. Des gens qui, justement, ne croient pas en grand-chose, ni en Dieu, ni en diable, ni au parti, ni... et qui se font leur propre jugement, qui regardent les choses et qui essayent de réfléchir et de trouver eux-mêmes les réponses, pas des réponses toutes faites, pas... Si tu as interviewé Cavana... Je suppose qu'il est un exemple type de ce genre d'homme.
Et moi, j'ai beaucoup appris avec lui, comme tous les ceux d'Arakiri. C'est pour ça que tu dessines? Non, c'est pas pour ça que je dessine. Je dessine pour gagner ma vie. C'est mon métier. Et ça fait 10 ans que je dessine pour gagner ma vie. Et comme tout le monde, mon seul souci pendant la plus grande partie de ces 10 ans, c'était d'arriver, de me faire une place dans la société, enfin tout ce que déteste le vocabulaire gauchiste. Mais en fait, ce qui préoccupe tous les hommes, je suis un homme comme tout le monde. Je ne suis pas un révolutionnaire à tout craint, je ne suis pas un type qui vit de la révolution. Je suis un type qui vit dans un pays qui s'appelle la France, où il y a un gouvernement plus ou moins démocratique, et où il y a une société qui me plaît ou qui ne me plaît pas, mais qui existe. Hein. C'est pas parce que l'air est pollué qu'on ne le respire pas. Nous sommes de sacrés cochons. Tout ce que nous savons faire, c'est tout saloper, tout détruire, comme si tout nous appartenait. Les hommes, quel fléau! Notre civilisation, ce n'est pas par une bonne femme à poil, l'air inspiré qu'il faut la symboliser. Ni par une faucille avec un marteau, ni par une croix, ni par un livre, ou je sais quoi encore. Non. Ce qui la résume le mieux, c'est un désert semé de papier gras, de cadavres de bagnoles et des troncs secs. Et comme devise, un rô. C'est pas très drôle, ça. C'est triste. Tu as un certain nombre de têtes de turc, non? Il y a des gens que tu aimes pas. Qui c'est que tu n'aimes pas? Les cons. C'est qui? Ils sont beaucoup. Par exemple? Oh, pas besoin de donner de nom. Les cons, c'est ceux qui ne veulent pas se servir des boyaux de leur tête. Soit parce que d'abord, ils en ont pas. Ceux-là, on n'y peut rien. Enfin, on ne peut pas me forcer à les aimer. Ils sont dangereux, même s'ils ne le font pas exprès. Ceux qui, ayant ce qu'il faut dans la tête, ne veulent pas s'en servir, veulent ignorer qu'ils en ont parce qu'ils ont peur de découvrir des choses. Tu sais, dès qu'on met en marche ce qu'il faut bien appeler la raison, ça vous entraîne très très loin, ça élargit l'horizon, ça creuse soudain un grand abîme devant vos pas, et il y a des gens qui ont peur, qui veulent pas, et qui préfèrent oublier qu'ils ont une raison et ne pas s'en servir, et faire comme s'ils n'en avaient pas. Et il y en a d'autres, simplement par intérêt de boutique. Ce qu'on appelle l'esprit de caste, l'esprit de classe. Les cons volontaires. Il y a deux catégories de cons, les cons de naissance et les cons volontaires. De toute façon, ils sont aussi dangereux les uns que les autres. Je les aime pas. Désolé, c'est que c'est pas gentil, c'est pas charitable, mais je les aime pas. Qu'est-ce que tu fais contre eux? Ben, je me fous de leur gueule. Thank you.
À messieurs les rédacteurs, les petits gars qui sont chargés de la distribution de vos torchons à Paris feraient une double action en les déposant, non pas dans les points de vente habituels, mais dans les pissotières municipales, où ils y trouveraient enfin l'emploi qui leur convient. Monsieur, figurez-vous que contrairement à ce que pensent un certain nombre de journalistes ou d'hommes politiques, la majorité des gens en ont marre de la vulgarité, de l'érotisme, de la pornographie, de la violence qui s'étale dans un grand nombre de journaux et de revues. Oui, les gens en ont marre d'avoir à supporter des caprices de détraqués et de sexomanes dont le seul but semble être de pervertir la jeunesse. Non, ça ne me paraît pas un hebdomadaire pornographique. Je sais très bien que ces publications contiennent de très nombreux écrits faisant allusion à des thèmes d'érotisme. Mais ils le font avec un humour tel que la salacité en est totalement absente et que finalement je ne vois pas du tout comment on pourrait penser que ces journaux présentent un danger sérieux pour la jeunesse. Et de vous à moi, on savait bien dans les milieux politiques au moment de l'interdiction d'Harakiri que ce qui justifiait cette mesure d'interdiction, c'était au fond une faute de mauvais goût, disons-le, et même de mauvais goût poussée très loin envers la mémoire du général de Gaulle. C'est-à-dire la fameuse manchette. C'était probablement la fameuse manchette, balle tragique à Colombey, un mort. Bon. Je ne trouve pas que Harakiri avait de l'esprit dans cette manchette, forcément. Mais ce que je sais, c'est que le principe même d'Harakiri, c'est de tourner en dérision tout ce qui paraît aux gens de ma génération et a fortiori aux gens des générations précédentes respectables. Et c'est ça qu'on lui reproche. Je pense que c'est salubre, je pense que c'est sain, que nos parents tenaient beaucoup à avoir fait Verdun. Nous-mêmes, et même quand nous sommes sociodémocrates, nous sommes très fiers des principes que nous croyons appliquer. Et il est bon que des gens plus jeunes que nous, ayant notre âge, mais ayant finalement plus d'esprit critique, viennent de temps en temps nous empêcher de nous prendre au sérieux. Et là, je crois que toutes les publications du type Harakiri, du type Charlie Hebdo, remplissent un rôle que d'autres publications ne remplissent plus. Enfin, il y a le Canard Enchaîné, quand même. Oui, il y a le Canard Enchaîné, qui était justement le journal satirique de ma jeunesse. Bon, je ne dirais pas du mal du Canard Enchaîné, qui continue à avoir une certaine utilité, mais justement, on voit bien la différence entre les deux types de publications. Le Canard Enchaîné, vous comprenez, je ne vais pas employer de mots savants, mais au fond, il a une fonction cathartique. C'est-à-dire ? Il a pour but de dire aux gens, regardez, nous critiquons le gouvernement, nous vous dispensons donc de le faire. Riez un bon coup à nos plaisanteries, et puis ensuite allez boire un verre sur le petit zinc du côté, buvez un petit Anjou, un petit Sancerre, vous savez que le vin joue un grand rôle dans les plaisanteries du Canard Enchaîné, et vous êtes dispensé de toute autre forme d'action politique. Eh bien ça, si vous voulez, la satire qui conduit le lecteur à considérer qu'après avoir ri, il a au fond accompli son devoir de réflexion critique à l'égard de la vie quotidienne, de la vie politique, ça me paraît dépassé. Par contre, si vous lisez des publications comme Charlie Hebdo, comme Harakiri, ou même il y a d'autres publications de ce type, car ça prouve que ça correspond à un besoin, je pense à un mensuel comme Actuel, enfin il y a maintenant toute une presse de ce type, eh bien vous vous rendez compte que la dérision, l'amertume, les blessures même que manifestent parfois les écrits des rédacteurs de ces publications sont le point de départ d'une réflexion et pas la fin d'une réflexion. Alors que cette réflexion se passe parfois par les chemins du mauvais goût, ça m'est indifférent. Ce qui compte, c'est la réflexion, c'est pas la manière dont elle est obtenue. En général, quand je veux me mettre en colère, je lis le Figaro. C'est vraiment... c'est vraiment...